Bienvenue, chères aventurières et aventuriers confinés. Je suis Chobiti et je vais vous proposer quelques jeux que je trouve sympathiques pour nous occuper pendant cette période difficile. Ce sont des jeux à prix abordable, voire très abordable, si vous avez l'occasion de les prendre en promotion. Comme c'est le cas au moment où je tourne cette vidéo, puisque jusqu'au 2 novembre 2020, il s'agit des soldes d'Halloween. Pour cette première session, nous allons découvrir 4 quests. Un jeu qui, comme son nom l'indique, nous permet d'incarner un chat et va nous demander de réaliser des quêtes. Il s'agit donc d'un RPG en temps réel. C'est un jeu solo pour 4 quests 1, sachant que 4 quests 2, lui, peut être joué en multijoueur à 2. Il est compatible manette, donc ça va être mon cas, je vais jouer à la manette. Il est disponible en français et je vous conseille de le mettre en français pour bénéficier des petites références, des petites blagues et autres joyeusetés sur le thème des chats, mais pas que. Et il est au prix normal de 12,99€, en tout cas pour 4 quests 1, sachant que, comme je vous le disais, si vous bénéficiez d'une promotion, vous pouvez par exemple le trouver à moins de 3€. Et c'est parti! Nous voici donc sur l'écran principal. On va faire une nouvelle partie pour montrer un peu à quoi correspond le jeu. Donc, ici on me propose des miaudificateurs parce que j'ai déjà réussi à terminer le jeu. Donc, ça fait partie de la rejouabilité du jeu. On peut recommencer en choisissant un ou plusieurs malus qui vont nous permettre de rendre le jeu plus difficile. Nous, on va commencer sans miaudificateur pour voir un peu le jeu. Et donc, on incarne ce petit chat. Oh Dieu merci, tu es vivant, je suis Spiri, ton esprit gardien. Écoute, les dragons sont revenus. Nous devons t'aller vers une ville. Vite! Gardons nos questions pour plus tard. Donc, en fait, on est amnésique. On se souvient plus de qui on est et de ce qu'on fait là. Mais notre esprit gardien va nous aider à le découvrir. Vous voyez, sur la carte, je vous disais que le petit monde, il y avait des petites références, des petits clins d'œil. Ici, on est à Fellingard et la ville s'appelle Miaouville. Ça, c'est du basique sur le terme des chats, mais il y a d'autres petites références à d'autres choses. Par exemple, dans 4 Quest 2, vous pourrez trouver des références à Batman ou à Naruto si vous faites certaines quêtes. Pas en avant, un monstre arrive. Donc effectivement, il y a un petit monstre qui va nous attaquer. Donc on peut attaquer, on peut esquiver en faisant des roulades. Et on peut aussi se prendre des dégâts, bien évidemment, si on n'arrive pas à esquiver. Donc ça, c'est un deuxième monstre, un monstre magique. Vous voyez, il fait des auras. Donc c'est prévisible. Mais ça peut être difficile à esquiver parfois. Faut surtout en fait réussir à l'emmener sur un terrain qui nous arrange. Et voilà, donc on monte doucement de niveau, vous voyez en haut à gauche. Tu parles pas beaucoup hein, du genre fort et silencieux. Mais ne t'inquiète pas, je suis ici pour t'aider à retrouver ta sœur. Tout d'abord, nous devons apprendre ce que cette marque sur sa tête veut dire. Viens, allons chercher un manche. Donc ici, on a des petits endroits pour se reposer. Et en fait, ça nous permet à la fois de récupérer notre santé et de sauvegarder la partie. Ce qui est plutôt intéressant. Le mage remarque la marque sur ta tête. Miaou, c'est la marque du dragon sang.
Vous voulez dire les légendaires chasseurs de dragons? Mais ils ont disparu depuis plusieurs années! Mais c'est bien, cette marque signifie que vous pouvez tous apprendre la magie. Venez par ici. Donc, nous aussi, on va être capables de magie. Le système de magie est un petit peu différent entre 4 quest 1 et 4 quest 2. Mais au final, ça revient au même. On a un système de sorts qu'on peut apprendre et qu'on peut améliorer. Donc dans 4 quest 1, pour y arriver, il faut trouver des temples. Ceci est un temple arcane. Je vais t'apprendre un sort. Alors écoute bien. On a appris le ronron flamme. Elle brûle les ennemis et affaiblit leurs défenses. Donc ici, on pourrait l'améliorer. L'or rend tout puissant. Renforcer ronron de flamme pour 100 heures. Eh ben non, on n'a pas assez d'or. Donc, on peut effectivement se rendre compte, puisqu'en haut, à droite, il est marqué qu'on a 79 pièces. Et on peut aussi s'en rendre compte dans notre inventaire. Donc on voit ici qu'on n'a aucune armure. On n'a pas d'armes, on n'a pas d'armure. Sachant qu'il y a deux types d'armures. Il y a les armures de tête et les armures de corps. Et on peut aussi également avoir des armes, soit des armes de corps à corps, soit des armes de magie. Et dans les compétences, on va avoir nos sorts. Et vous voyez, sur la partie gauche, on peut avoir que 4 sorts équipés en même temps. Il va falloir les choisir de manière stratégique. Allez, viens, testons ta magie sur ce monstre là-bas. Donc on a un sort de feu qui fait des dégâts sur le long terme. Mais lui aussi un sort qui fait des dégâts sur le long terme. Et le mana, c'est notre petite barre violette qui se recharge quand on tape les ennemis. C'est quand même plutôt pratique. Donc j'ai droit à une petite potion qui me permet de débloquer la marche aquatique. Tu peux apprendre de nouveaux sorts à d'autres temples, d'accord. Effectivement, du coup, je peux marcher sur l'eau. Et par contre, vous voyez, je vais peut-être pas y aller tout de suite, puisque le monstre a un crâne, donc là, c'est un peu dangereux. Et Spiri nous dit que là, il y a une marque à regarder. Oh, un cercle rituel! Avec un dragon. Regarde, tous les chats de la ville sont pétrifiés de peur. Nous devons les aider. Alors, par contre, je suis pas sûr qu'on soit tout à fait de taille contre un dragon. Même si c'est la quête principale et qu'on est niveau 2. Hein, parce que, voilà, il fait 4 dégâts en lui tapant dessus. Et notre sort, un sort de feu. C'est un dragon rouge, donc un dragon de feu. Et en plus, on a ni arme, ni armure, ni stuff. Et par contre, vous voyez, on ne peut pas s'enfuir. La ligne pointillée nous empêche de nous enfuir. Par contre, on peut tout à fait mourir de manière lamentable. Puisque je n'ai pas pris le modificateur qui me permet de... Enfin, qui m'oblige à ne mourir que 9 fois au maximum. Et tout à fait ignorer ce cher monsieur et aller faire d'autres choses. Le temps de monter un peu en niveau. Vous voyez, il y a des monstres avec des skins un peu différents. Si on a un petit buffle. Donc le petit buffle, il se soigne. Et il fait quelques dégâts. Donc maintenant, on a la possibilité de marcher sur l'eau et d'aller explorer plus loin. Bon, par exemple, on va pas aller faire ce donjon, on va essayer d'en trouver un à notre niveau, hein, puisqu'on est que niveau 2. La caverne Grotto, par ici, est niveau 1. Donc c'est un monde où il y a pas mal de donjons, puis il y a ces caves.
Ici, l'objectif, c'est de terrasser tous les monstres. Mais il peut y avoir des donjons qui sont un peu plus réflexion, qui vont vous demander d'éviter des pièges ou de résoudre des énigmes. Sachant que on va pouvoir trouver dans ces donjons du stuff qui va nous permettre de nous équiper. Donc ici, on trouve une armure de chevalier. Ah bah oui, on va l'équiper, on va pas se gêner. Un petit peu plus d'armure, c'est toujours ça de prix. Et l'équipement peut aussi être trouvé et amélioré via les quêtes. Les quêtes secondaires vont nous permettre d'avoir du stuff. Et vous voyez également, ici, on a deux sorties. On a celle qu'on a empruntée en entrant. Je prends le petit loot. Une hache de ranger. Oui. Voilà. Donc on a l'entrée qui est au nord et on a l'entrée qui est au sud. Donc les donjons peuvent aussi potentiellement nous permettre de traverser certains endroits qu'on ne pourrait pas accéder autrement. Donc je vous parlais de quêtes secondaires. Vous voyez, on a des petits panneaux de quêtes. Et ici, on a une quête de niveau 5. On n'est que niveau 2, donc ça peut être compliqué. Mais on va la prendre quand même. Pas possible! Kit Kat cherche un assistant! Même les chiens de l'Empire Lupus lui commissionnent des armes. C'est peut-être une chance pour nous d'obtenir du bon équipement. Et il y a Kit Kat qui apparaît. Spiri, vous êtes ici pour le travail d'assistant? Dites oui, s'il vous plaît. Oui, maîtresse Kit, comment pouvons-nous vous aider? Je suis en train de créer une nouvelle armure révolutionnaire, vous voyez. Mais j'ai besoin d'un paquet qui est encore à Port West. Vous pensez que vous pouvez m'aider, mes petites boules de poils? Absolument, madame, c'est comme si c'était fait. Et du coup, on a mis la quête principale en pause. On peut réaliser la quête suivante. Donc, vous voyez, il y a une petite flèche qui nous indique qu'il faut aller à l'est. Ça va dépendre des quêtes, hein. Des fois, on va seulement vous indiquer des indications vous disant il faut aller par-ci ou par-là. Mais voilà, petit niveau. Le niveau permet de se soigner, c'est quand même plutôt cool. Et vous voyez, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il faut que j'aille, est-ce qu'il faut que je traverse ou pas. Bon, je vais profiter pour vous montrer un truc. Donc ici, on a un monstre qui pose des pièges. De manière générale, les monstres sont tous... peuvent tous être battus. Simplement, il faut parfois... réfléchir ou attendre d'avoir un peu l'expérience pour y arriver. Donc, sur la carte également, on a ce qu'on appelle des monuments. Oh, un monument, regarde, il y a des inscriptions dessus. Il y a très très longtemps, nous servions le monde, les vieux maîtres. Ils ont créé notre monde et étaient nos dieux. Je me demande s'il y a plus de monuments. Pour petit spoiler, oui, il y a plus de monuments. Les monuments vont nous permettre d'avoir un peu de lore sur le monde. Et vous voyez, là, le buffle, on l'a tué tout à l'heure, il a respawn. Si votre trip, c'est de farmer monstres à fond, vous pouvez. Personnellement, je trouve que c'est dommage d'utiliser ce jeu-là pour ça. Puisque ce qui est vraiment intéressant sur ce jeu, c'est l'histoire. Et les petites références, les petites blagues qu'on peut y trouver.
donc on approche doucement du niveau 5 pour faire notre quête. Vous voyez ici, il y en a un autre, monument. Les vieux maîtres, nos dieux, nous ont donné le don de parler, mais nous ont aussi appris leur façon de vivre. On va en profiter d'avoir une ville pour pouvoir sauvegarder. Sachant que ici il n'y a pas de PNJ dans cette ville là, mais on peut parler avec quasiment tous les PNJ qui vont nous apprendre des choses, soit sur le lore, soit des petites astuces pour le combat. Donc là je suis mort, donc c'est pas très important, on va restaurer à la sauvegarde précédente. Et vous voyez, les monstres que j'ai déjà tués restent morts. En tout cas, le fait de mourir ne les a pas fait repopper. Donc on a des gros buffs, on va essayer d'en attirer. Sachant que niveau combat, avec le temps, on débloque des combos. Parce que là, la seule chose que je peux faire, c'est donner des coups. Mais avec le temps, on débloque des coups spéciaux. Donc on voit sur la carte qu'on est arrivé à Porès. Donc ce petit hérisson, il a un crâne, donc pour l'instant il est un petit peu trop dur pour nous. On va essayer de se finir le buffle de bord. Donc, vous voyez, le hérisson était lui aussi avec un crâne, mais finalement, c'était pas si dur que ça. Il doit juste nous manquer un tout petit niveau pour y arriver. Sachant qu'il y a également parfois des monstres qui sont d'un niveau très très dur et dont l'objectif n'est pas de les battre, mais de les éviter. Allons vérifier le paquet de kits. Où est-il? J'ai de mauvaises nouvelles, Miaou. Nous avons envoyé un chariot avec le paquet, mais n'avons pas eu de nouvelles depuis. Quoi? Regarde, il y a même des traces sur le sol que nous pouvons suivre. Donc là, on nous indique des traces, mais moi, je vais surtout déjà discuter un peu. J'ai vécu assez longtemps près des eaux pour savoir qu'il ne faut pas faire confiance aux souris. Des pourritures de pirates, chacune d'entre elles. Donc peut-être aura-t-on l'occasion de trouver des souris. Donc ici, dans ce temple, on peut acheter de nouvelles compétences. On va le faire. Tonnerre grille les ennemis avec le pouvoir du tonnerre. Miaou! Alors, bon oui, normalement, on a ce qu'il faut, c'est un point d'or. On va pouvoir équiper notre compétence.
Et il nous reste 159 sous, donc on peut soit... Enfin, on peut pas améliorer celle-ci, on peut améliorer, du coup, le ronron. On va renforcer ronron de flamme. Et comme je l'ai renforcé, je n'ai pas besoin de le rééquiper, puisqu'il est déjà équipé. Donc, il me suffit de le réinvoquer, et il sera direct niveau 2. Donc ici, je vous montre les quêtes, mais on pourrait très bien imaginer, décider d'ignorer toutes les quêtes, et juste aller découvrir le monde, faire tous les donjons par exemple. Les traces disparaissent au niveau des meubles. Que penses-tu de les nettoyer et chercher à l'intérieur? Donc effectivement, on nous explique que les monstres sont soit sensibles à la magie, soit aux attaques physiques. Ici, vous voyez, je fais absolument aucun dégât physique à ces monstres-là. La bonne nouvelle, c'est que même si on leur fait pas de dégâts physiques, leur faire des attaques physiques va quand même recharger notre mana. On n'est jamais coincé. On en profite pour prendre le coffre. Oh, une hache d'écuyer qui nous donne 2 d'attaque et 2 de magie. Nous, on a une hache qui nous donne 2 de vie et 1 d'attaque. Bah, je vais prendre la hache d'écuyer. Et vous voyez, ça change notre personnage. Pour de vrai, on voit réellement les armures et les armes sur notre personnage. Donc on va attaquer ces petits diablotins. Mourir du feu, voilà. Je pense que le chariot était mangé par ces monstres. Kit va être tellement triste. Allons faire notre rapport. Et donc vous voyez ici, il y a un coffre qu'on ne peut pas ouvrir. Donc il va falloir qu'on trouve comment ouvrir ces coffres dorés. Et donc il peut aussi y avoir des coffres qui sont cachés. Vous voyez, on a le petit symbole qui nous dit, bah, on l'a pas tout à fait fini, on sait qu'il reste un coffre. Aïe. De toute façon, je pense vous avoir montré à peu près tout ce qu'il fallait vous montrer. Sachant que là je vous ai juste montré un tout petit morceau de la carte, mais la carte est gigantesque, hein. Pour vous donner une idée, il semble qu'il y a quelque chose comme 90 donjons et à peu près autant de quêtes secondaires, donc il y a moyen de passer du temps dessus, ce qui est l'objectif de cette découverte. Et bien sûr, c'est un jeu qui met l'histoire en premier plan, et ainsi que l'humour, comme je vous le disais.
Il y a pas mal de petits clins d'œil, de petites références qui sont assez sympathiques et assez marrants. Oui, je pense que je vais vous laisser là. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé. Moi, ça me fait plaisir de vous montrer ce petit jeu. Il est pas récent, il est trouvable de manière assez simple, que ce soit sur Steam ou sur GOG. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau petit jeu que je vous présenterai, donc qui sera The Flame in the Flood. Bye bye!